Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500 € sur la chaîne. Si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos du mode Sauver le Monde. Alors dans cette vidéo je vais vous parler d'un giveaway que je vais organiser ce vendredi, donc normalement ce sera peut-être vendredi après-midi ou vendredi soir. Donc là je vous fais un petit peu la promotion de ce giveaway, je vais vous demander ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous voulez que je fasse ce giveaway ou si vous préférez que je ne le fasse pas, pour voir un peu. N'oubliez pas de liker ou disliker si vous voulez ou si vous voulez pas. Parce qu'en fait, j'aimerais bien savoir si ça vous intéresse. Je vais organiser un giveaway où je vais vous donner plein d'armes, des matériaux, un peu de tout pour vous aider, soit que vous puissiez dupliquer par la suite ou soit jouer en legit. Moi, je vous les donne. C'est des trucs dupliqués. Il faut savoir que c'est déjà des trucs dupliqués. Moi, je vais vous les donner. Si vous les voulez, vous venez vendredi dans l'après-midi ou dans la soirée. Je sais pas quand je les donnerai, mais ce sera vendredi. Je vous les donnerai, je vous les ferai gagner. Et ceux qui veulent pas prendre de risque de prendre des objets dupliqués, vous venez pas, tout simplement. Alors, comment ça va se passer? C'est tout simple, je vais lancer un live et je vais faire gagner 40 personnes. Alors, avant de vous en parler un petit peu plus, je vais tout simplement faire une grosse dédicace à Satora. Je mettrai sa chaîne en description car c'est lui qui m'a donné tout son stock d'armes pour justement vous les faire gagner à vous. C'est lui qui m'a donné l'idée du concept. Et franchement, merci à toi Satora. Et franchement, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne YouTube. Il a déjà 8500 abonnés. Donc essayez franchement de vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et ça lui ferait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui le feront. Alors... qu'est-ce que je vais donner? Donc je vais tirer au sort par Nightbot, vous connaissez. Si vous connaissez pas, vous verrez bien vendredi. Alors attendez, je cherche, voilà, elle est là. Donc qu'est-ce que je vais donner? Je vais donner tout simplement des pièges murales, je vais donner des fléaux, je vais donner des lance-roquettes qui ont un élément de eau, ils sont en eau. Je vais donner des fossoyeurs diaphanites. Voilà, je vais donner des nocturnos soleillantes et diaphanites. Je vais donner des pièges au sol, je vais donner des pièges toxiques, je vais donner des ingrédients de cristal, arc-en-ciel, de la sélénite, de la spectrolite, je vais donner du diaphanite, de la soleillante, de la ténébrante, de l'obsidienne, de la malachite, et voilà. Donc tout ça, je vais tout... En fait, j'ai fait 40 stacks, donc je les ai notés, j'ai fait 40 stacks. Donc par exemple... Quand quelqu'un gagnera, je lui donnerai soit une nocturno, s'il m'en reste. S'il m'en reste pas, d'abord, je vais donner les nocturnos. Donc, quand j'en aurai plus, je donnerai des fossoyeurs à la place des nocturnos. Avec ça, je donnerai un lance-roquette ou un fléau, donc un pompe. Soit un lance-roquette, soit un pompe. Donc, je donnerai les lance-roquettes d'abord et puis après, je donnerai les pompes. Ensuite, au dernier. Ensuite, je vais donner 45 pièges murales. Donc 45 pièges murales, niveau 130, tout est niveau 130, tout est niveau 130 et regardez à droite, tout est légendaire. Donc il y a 5 petites barres jaunes par truc, donc plus 30 dégâts, plus vitesse de rechargement, plus 42. Il n'y a pas mieux sur le marché, ok, il n'y a vraiment pas mieux. J'en donnerai 45 par personne, 75 pieux, je donnerai 75 pieux par personne, donc ça, des pièges à pieux au sol. Je donnerai 85 pièges de plafond. Donc ceux-là, les pièges toxiques, ils sont vraiment trop balèzes. Je vous donnerai 55 arc-en-ciel. Je vous donnerai 50 sélénites. Donc sélénites, celle-là. Je vous donnerai 20 spectrolites. Donc 20 spectrolites. Je vous donnerai 90 soleillantes. Je vous donnerai 45 diaphanites. Je vous donnerai 65 ténébrantes. Je vous donnerai 55 obsidienne et je vous donnerai 30 malachites. Je vous les donne vraiment, je vais pas les dupliquer avec vous, je vous les donne en live, je vous les donne, vous venez dans ma partie, je vous les donne et puis vous quittez la partie, moi je quitte la partie aussi, mais je les duplique pas, c'est vraiment, je vous le donne. Et tous les chiffres que je vous ai donné, en fait c'est tout simplement tout mon stock que j'ai divisé en 40 personnes. Donc à chaque fois je donnerai
tout ce que je viens de vous citer, je vous les donnerai. Donc une personne va gagner quand même pas mal de ressources, donc ça peut être intéressant. Alors ce que j'aurais besoin, c'est de votre avis. J'ai vraiment besoin de votre avis pour voir si ça vous intéresse ou si ça vous intéresse pas, si c'est risqué ou si c'est pas risqué. Donc n'hésitez pas à liker ou à disliker si ça vous intéresse pas, liker si ça vous intéresse. Et pourquoi j'ai un stockage de 41 sur 40? Je sais pas comment j'ai fait pour bugger ça, mais enfin bref, c'est pas grave. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Si ça marche bien, ben j'en ferai un petit peu plus. Si ça marche pas, si je vois que vendredi il y a personne et que voilà, ça marche pas vraiment, ben j'en ferai plus. Mais si ça marche, ben j'essaierai d'en faire un peu plus. Tant que le glitch il existe, ok. Alors pour ceux qui croient qu'ils vont être ban, moi ça fait des années que je glitch sur Call of Duty, sur GTA, sur Fortnite. C'est le deuxième glitch que je présente en sauver le monde, et je n'ai jamais rien eu, je n'ai jamais eu un ban, parce qu'en final je ne pourris pas le jeu des autres. Je vous donne des glitchs, souvent c'est des glitchs en solo qui se passe dans une campagne, ça se passe pas dans un multijoueur. Les glitchs multijoueurs sont sûrement plus bannissables que les glitchs en sauver le monde, ou les glitchs en zombie, ou les glitchs, enfin voilà quoi. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment de risque de ban pour tous ceux qui se pensent ça. Ok, il y a des gens qui se font ban, soi-disant, mais moi chez mes potes, j'ai personne qui se sont fait ban, vraiment personne. J'ai demandé à plusieurs de mes potes, tous ceux qui ont fait le glitch, ils se sont pas fait ban. Pourtant, il y a une mise à jour aujourd'hui, le glitch il est pas patché, donc à croire que Fortnite le fait exprès, à croire que Epic Games le fait exprès de laisser le glitch comme ça. Après, c'est eux qui veulent, hein. Moi je m'en bats les couilles. Hein. Après, ceux qui sont pas d'accord que je présente le glitch, je suis désolé. Pour moi, je trouve que j'ai le droit de présenter ce glitch. Je fais ce que je veux de ma chaîne, déjà, de 1. Et de 2, je viens pas pourrir votre jeu. Je vous ai prévenu que si vous voulez faire ce glitch, bah, c'est à vos risques et périls. Parce que quand vous aurez tout dupliqué, bah, vous aurez peut-être moins de plaisir à jouer, moins d'objectifs. Enfin bref. Je pense que je vous ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool au mic et ciao. Peace. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh.